100. Je crois qu'on peut faire 100. On va tenter 100, on va mourir comme un idiot. Mais c'est pas grave. On a l'habitude. On a l'habitude, ne vous en faites pas. C'est géré. Ah non, ça ne fonctionne pas, pas d'électricité, dommage. Vous pouvez essayer. On pouvait essayer, on ne saura jamais. Alors, c'est de là surtout. Et bleu, on verra. Alors, c'était quoi? 1, 2, 4, c'est possible? Oh, même ici, ça a changé. Ou alors, c'était un truc. Oh, ça a changé aussi. Quel enfer, tout a changé dans cette run B. Et non, je crois que c'est plus pas bien parce que c'est B et non parce que c'est clair. C'est ici. Alors, 44-1. De 4. 4-2. 1-4, c'est ça. 1-1. 1-1. 1-1. Et je dois aller à où? À... On va dire 5-7. Et là, enfin entre 5 et 7. Et là, c'est entre 7 et 9. Salut Biagio, comment vas-tu? Et là, on espère... Ah oui, il n'y a pas de son de jeu avant. Maintenant, il y en a. Il n'y en avait pas beaucoup. On espère que... C'est bon de te voir. Ah, ça va, Triss est là. Triss t'accueille gentiment, sans te crier dessus. Tu fais plaisir. Non, là, il n'en manque un. Faudrait le 2, 4... 6, 7... Ce serait possible. Voilà. Et aussi, c'était 2, 3, 4. La réponse. Oui, le son fonctionne, oui. Mais ça va très bien. Pour le moment, là on va avoir une petite surprise. Ah oui, je suis déjà en attention comme ça. C'est bien. J'aurais dû déjà prendre un autre fond en plus. Parce qu'on va mourir là. Je sais pas si les attaques... J'ai jamais capté si les attaques qu'il faisait, il les fait à chaque fois à des endroits précis. Et c'est juste moi, nous, enfin nous qui se situons à chaque fois mal, ou alors il attaque quand même là où on se situe, hein. Normalement c'est le cas. Ou alors il revient peut-être jamais en dessous d'un trou qu'il a déjà fait. Bah, faut arrêter, maintenant faut aller à la porte. C'est un combat de boss. Il va y en avoir un. Ah non, mais c'est dégueulasse. Il va... Non, il faut aller vers la porte là. Voilà. Voilà. Petite arnaque, hein. Est-ce qu'on va réussir? On a réussi avec Léon. Et on réussit avec Claire. Il faut se trouver au niveau de la porte directement pour pouvoir passer hein, di direct sans se faire agresser. Il n'y a rien dans le couloir. Il va y avoir des trucs dans l'arène. Oh là, il est juste derrière en plus. C'est vrai que quand on traîne la patte, on n'avance jamais. Toujours un peu chiant. Alors, grenade, un petit coutal. Oui, il y a encore des munitions là où il se trouve, où la caisse se trouve. Ah non, ouais. Ça commence mal. J'ai pas évité l'attaque. Les munitions, ouais, de celui-là évidemment. On profite pour prendre directement cette fois-ci celle-là. Hein. Ça a été une de mes morts, on le rappelle. Le timing dégueulasse. Ça sert à rien si je le fais maintenant. Non. Non, non, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Je pourrais évidemment rappeler... Le conteneur, mais il y a... Ouais, ça c'est de ma faute. Il y a un trophée qui demande... Enfin, un trophée ou un défi qui demande de réussir. Ah ouais, non, mais par contre, recharge pas ce moment-là.
Pourquoi j'ai pas rechargé quand il était à terre? Qui demande de le réussir à le tuer en une utilisation de conteneur. Souvent c'est deux qu'on fait par défaut. Putain mais elle avance pas. T'as un mob qui vient vers toi, il court pas, ça me tue, ils veulent mourir. Non, non, pas maintenant, pas ici, pas ici. Avance encore un peu. Il va pas se faire avoir là. Moi, je suis pas sûr. J'ai une petite surprise pour toi. Bon, à mon avis, on l'a de toute façon pas. Et je crois qu'il est quand même un peu trop sur le côté. Ou alors, ouais, c'est trop tard. Non, ça passe pas. Ça ne passe pas. De sérieux, mais je suis de l'autre côté. Putain, la hitbox. Pété, hein. Ou alors il faut réussir à voir celui-là aussi, celui dans le dos plutôt, pour voir les deux. Là il se fait avoir, je comprends pas. À le premier où il a l'air plus mal en point, il réussit à s'en sortir, et là où il a l'air de mieux réussir, il s'en sort pas. Bon, on n'est pas mort, mais on a été un peu trop blessé malgré tout. On n'a pas bien géré le combat. Comme d'hab. Mais y a pas un autre truc à récup. Non, on a juste remis le courant, il faut pas quelque chose pour ouvrir de porte. Bah comme de par hasard. Chérie, est-ce que tu m'entends? Il l'a laissé dormir là et maintenant tout d'un coup tu t'en inquiètes? Chérie? Claire? Chérie, est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fais? Je viens l'aider. Contrairement à toi. Chérie a reçu l'embryon. On ne peut pas la sauver. Non mais vous vous foutez de moi. Vous êtes sa mère. Alors venez ici. Tu ne comprends était-ce pas. Était-ce elle, l'échantillon 628... Enfin, le spécimen 628? Si je ne l'arrête pas. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Il l'a procréé, il l'a enfin hâté. Salut Vitini. Attends. C'est bon je de te voir. Dans mon labo. C'est pas loin d'ici. Allez! Des millions de vies sont en jeu. Ah, qu'est-ce que la vie d'une enfant? C'est pas grave. Maman t'aime, trésor. Tu sauveras des millions. Adieu. C'est ce qu'elle te dit. Des millions contre une vie. J'ai rien fait, hein, j'ai juste éteint le PC, ça s'est réparé tout seul. C'est un peu compliqué de rallumer un PC en plein live. C'est un peu gênant. Enfin, quoi que ça aurait peut-être été mieux finalement. Mais non, elle doit sauver des millions de gens, elle fait un médicament, tout ça, là. Elle a pas le temps de sauver sa fille. Il faut sacrifier une vie pour en sauver des millions, enfin. Attends, le funiculaire. Ouais, mais on n'a pas le code d'accès. Enfin, le code, on n'a pas le pass. On n'a pas un bracelet hein, d'identification pour le funiculaire. Hein. Tiens bon, chéri. Voilà, donc chéri, on l'adopte. Peut-être. Non, bah ça allait, puis petit souci, je sais pas, un petit. Pas un court-circuit, mais. Hop, qui a décidé de bouger, ou j'en sais rien. Le funiculaire. Ça arrive parfois, malheureusement. Ah ben oui. Ah ben comme de par hasard. Elle avait le bracelet.
On fait des expériences sur elle, mais elle n'est que visiteuse, malheureusement, la pauvre. Elle a un truc au niveau de la gueule là. Elle s'est bien fait d'embrayonner, hein, la petite. Allez, honnête. Cette navette va au nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Alors, prends le toutou et la petite crevette. Quel toutou? Il n'y avait pas de petit toutou? Il n'y avait pas de toutou? T'as vu un toutou toi? Enfin, on a vu des toutous, mais ils étaient pas ouf les toutous, hein. Ils étaient un peu trop câlins, hein. Comme tout le monde dans le jeu. Ça ne va pas, hein. Mon frère me l'a donnée. Il paraît qu'elle porte Ah. chance. Et on l'a plus maintenant. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu plaisantes? Tu ferais dodo. Tu t'en sortais très bien avant que je débarque et que je t'attire tout un tas d'ennuis. J'ai quelque chose à toi. J'en veux pas. Vraiment? Pourquoi? Il est joli. Ma mère me l'a donné pour mon anniversaire l'an dernier. Ah, j'ai pas regardé ça. Je voulais. Oh, ça s'est changé à tous les coups. Moi, je voulais juste qu'elle soit plus souvent à la maison. On leur a vérifié les mots de passe pour les codes, mais du NES. Mais de toute façon, vu que c'est en NB, ça va être différent. Que ta mère s'en fiche, mais. Chérie, viens. Et étant une bonne personne, je n'ai évidemment pas écrit sur un papier tous les mots de passe que j'aurais mis dans la boîte. Au cas où je reprends le jeu plus tard pour hop, c'est quoi la réponse? C'est quoi les mots de passe? C'est quoi les codes? Bam bam, directement. Je suis une personne non prévoyante. On tue pas les chiens. Je les ai évités, je les ai pas tués hein, les chiens. Je ne les ai pas tués, j'ai wop 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 hop, j'ai couru, j'ai fui. Donc ça va, sur ce plan-là, clair et cool. Clair et cool. Avec Rebecca, on en a tué quelques-uns. Avec Jill aussi. Enfin, surtout avec toutes les parties que j'ai dû refaire, évidemment, pour le reste de Resident Evil 0, j'ai tué quelques chiens. Jill, on a tué au moins un. Bah, ou deux même. Pour le récupérer le sifflet. Non, c'était. J'ai utilisé le sifflet pour les appeler et j'ai récupéré la simili clé. Pour pouvoir éviter un piège mortel. Et avec Léon. Je sais plus si j'en ai tué des chiens. Je crois que je les ai évités quand même. Je suis pas sûr. Va peut-être m'en dire plus. Agent antiviral, c'est ça. Il n'y a pas de doute. Hé. Hé, chérie. Je dois y aller. Ne bouge pas d'ici, d'accord? Je reviens vite. C'est promis. Alors, le bracelet d'identification, on en avait besoin. On va en avoir besoin, comme on dit. C'est le même machin. Ah, peut-être pas. Alerte à tout le NES en raison d'un incident dans la zone nord. Ouais, si tout le du NES, enfin tout le personnel du NES doit s'auto-administrer l'agent antiviral Devil immédiatement. Ça donne envie. Le Devil est le seul moyen d'empêcher la mutation. Si vous avez été contaminé par le virus G, demandez immédiatement de l'aide afin de cibler et détruire les virus, les cellules G dans votre organisme. Cet email est généré automatiquement en cas d'urgence. Veuillez ne pas répondre à ce message. Ceci est un spam. Voilà le plan. Des grenades. Des greux-greux. La sainte greux. Ah non.
On dépose. On dépose. Gros corps libre. C'est pour lui, il y en a quand même 14. Ouais, on a quand même des munitions. Ça, c'est quand même relou. Hein. Elle a 3 flingues. Hein. Enfin, non, celui-là, il compte pas. Enfin... Mais on a quand même 3 flingues avec Claire. Hein. C'est abusé, ça. C'est quoi ce. Et on n'a pas de place supplémentaire. Hein. C'est quoi le plan de nous donner des. Autant de guns, là. On va les déposer, on tirera avec ça. Je comprends pas le délire en fait. Je comprends pas le délire de autant d'armes. Enfin, il y en a un, c'est. J'avoue que celui-là. Enfin, pas lui. Le SLS 60, maintenant j'ai mis les chargeurs, les armes, les munitions améliorées. Mais je peux mettre les munitions standards. Qui sont les mêmes donc que pour le JMB HP3. Mais c'est idiot, enfin c'est idiot. Ouais, mais enfin c'est chiant, ça fait de la place en plus, surtout dans ton inventaire. Ça te fait l'arme en plus et en moins les munitions. Parce que là, enfin comme je le dis, si on veut le SLS 60 et le JMB, c'est du 9 mm, donc ça utilise les munitions pour pistolet. Bon, maintenant j'ai après t'avances, t'as les munitions améliorées pour le SLS 60 et le Quick Draw Army, c'est le point 45. Ça fait deux trucs. Ça, à la place d'avoir un flingue et plus de balles du même type, ça revenait au même et ça gagnait de la place. Enfin, je comprends pas spécialement. C'est un peu chiant, je trouve. On va prendre un soin quand même avec nous. Et on va partir. Ah, les infos. On lit le mail aussi, même si on connaît. Enfin, Lee, on regarde vite fait. On sait que Dr. Lee dort dans la salle de la sieste. Non, non, t'es pas obligé. Je suis pas obligé, mais il y a quand même. J'ai des munitions à un moment donné. Je vais peut-être retuer les zombies. Hein. Parce que c'est quand tu reconnais bien le jeu que tu t'évites à mort. Enfin, tu fais déjà en facile, évidemment aussi. Si tu te fais choper comme ça, c'est moins dangereux. Mais c'est là que t'évites à mort les ennemis. Parce que. C'est vrai qu'avec Léon, j'ai tué tout le monde à peu près. J'en ai peut-être évité un ou deux. Enfin, ici dans le nest. Par exemple, pour aller ici à la salle de la sieste. Mais il y a très bien moyen. Tu passes directement. Tu vas à l'échelle. Tu prends le petit tuyau. Enfin, le truc devant la ventilation. Tu arrives dans la cuisine. Tu sors. Faut juste faire attention au mec un peu armé. Enfin, il y a moyen de passer en évitant tout le monde. Hein, comme d'hab. Mais c'est pas forcément évident, quoi. Donc on s'assure un petit peu le chemin tranquille pour le moment. Ouais, je suis pas visé, super. Ouais, c'est moi qui ouvre la porte, c'est pas eux. Voilà, merci. Ah, mais deux coups. Il meurt pas, le con. J'utilise une munition améliorée pour le tuer. Normalement, pour espérer le tuer d'un coup, mais il meurt pas. Il est peut-être plus résistant, l'idiot. Par contre, le quick draw, ouais, c'est un peu sensible, hein, comme call, ça c'est tact, comme on peut le voir, je tire à chaque fois, enfin, ou je suis un peu trop la gâchette est un peu trop sensible, ou je sais pas, donc à chaque fois je tire 2 balles, ça m'énerve. Bah, tu vises mal, bah, ça fait une deuxième balle de gâchée. Voilà, là, elle a explosé, c'est bien. Encore. Répond à tous vos besoins nutritionnels. Goûtez notre sélection de menus, bon pour la santé. Comme ça on peut refouiller. Non mais c'est après. C'est de ce côté là. La grenade. T'as quoi? T'as quelque chose là? Cartouche à aiguille. Ah, cartouche à aiguille, c'est normalement, c'est pour mon... C'est pour le gros fusil, là. C'est pour le fusil électrique. T'as utilisé les aiguilles. On va utiliser donc ça sur les Ivy.
Les mobs de plantes. Les mobs de plantes, ça ne veut rien dire. Les mobs plantes. Du coup, bon appétit à toi, bien sûr, Vitini. Déjeune bien, j'espère que ça ne te fait pas trop dégueuler ce que tu vois à l'image. Hein. Les têtes qui explosent. Oh, c'est bon, j'ai plus faim. Après, c'est peut-être pas mieux de manger avant. Oh, finalement. Et là, normalement, c'est vide. Donc, ouais, ici, il y a un bonhomme. Il est normalement à gauche de base. Sauf que parfois il est à droite quand il a eu le temps de bouger un peu. Bon. Alors on récupère des grenades incendiaires. On récupère quoi? Un condensateur. Ah bah c'est pour le fusil électrique, ok. Ok, il est amélioré. Un peu. Toujours cette balle. Ouais, toujours cette balle. Non, j'ai pas le bidouilleur. Hop. Ce qui est un peu con, enfin, je sais pas, c'est que la puce, elle doit aussi être sur le bracelet. Enfin, il y a peut-être un machin qui fait que ça fonctionne, qui fait que ça doit être dessus pour fonctionner, mais c'est un peu bizarre que la puce ne fonctionne pas toute seule. Ah ouais, toi qui reviens. Et, mais c'est le même, là, c'est le premier, là, il est toujours pas mort, lui. En fait, mais qui est chiant, à jamais mourir. T'as pas l'estomac si fragile, ça va, heureusement. On va redéposer 2-3 trucs. Sinon, ça va être embêtant. T'as mangé en regardant la version non censurée de La Colline à des yeux. Ah, et dégueulasse le film, quand même. Dégueulasse le film. C'est pas ouf. Ah, donc ouais, on essaie. Ce que je regarde en ce moment sur le temps de repas, c'est sympa aussi dangereux, c'est quoi? Que t'amuses-tu à regarder dans ton temps? Je vais mettre ça là. On s'en prendra peut-être plus tard, de toute façon. T'as vu que deux films dans ta vie devant lesquels t'aurais pas pu manger, ça va, ouais. Oui, non, il faut juste appeler le pont. Tengoku Demakuyo, ça raconte quoi? Ouais, l'enregistrement c'est le même, on va voir la vidéo, la cassette vidéo après. Ah, mais ici on a déjà le modulateur. On a déjà le modulateur ici. Je sais pas si j'ai la partie. Non, j'ai pas le plan de l'autre partie. On peut déjà les récupérer alors le bousin. Run B, hein, différente de la run A. Les objets ont changé un peu de place pour certains. Encore une preuve. Il a disparu. Il est mort finalement, il en avait marre, il s'est cassé. À moins qu'il soit venu derrière. Après, non, c'est pas possible, il a pas de bracelet en principe. Alors, OSS. On est bien sûr OSS. Voilà. Deux places d'inventaire supplémentaires, les notes. Alors, on s'en fout, là, il n'y a rien. Bon, le lit qui se réveille, hein. Là, c'est ça, c'est duré. Mais nous, on se barre. On n'a pas le temps de niaiser, Dr. Lee. C'est un anime sur un monde post-apo avec des monstres de gourlas qui mangent de les gens. Ah. Et les médecins. Ouais, médecins, entre guillemets. Ça veut déjà tout dire. Ça veut tout dire. On dépose pas un truc tant qu'on y est. Non. Tout ça là. Non, mais ça, on va l'utiliser, on met ça là. J'aime bien mettre les trucs que j'utilise souvent à gauche, enfin à droite et en bas. Assez rapidement dans mon inventaire. Quand je vais les utiliser pour y arriver assez rapidement. Font des expériences sur les gosses, et c'est cette partie que tu trouves la plus dégueulasse. Bah ouais, tu m'étonnes, les gosses. Tu t'y touches pas en principe. On n'y touche pas, normalement, mais bon, les gens ils comprennent pas.
Et après, ouais, les trucs d'horreur sur avec les gosses, c'est horrible aussi. Ça fait un peu plus peur, je trouve. C'est assez flippant. Truc, enfin, alors, pas spécialement un petit jeu, enfin, un jeu d'horreur qui a été revu il y a pas longtemps un peu sur la club. Enfin là c'était pas forcément, enfin c'était plutôt des ados, mais c'est soit les enfants ou le truc à l'école, des trucs d'horreur à l'école. Tu fais mais non, pas à l'école. À l'école c'est censé être un endroit sûr. Déjà que t'aimes pas forcément y aller. En plus de ça, si on te fait un truc d'horreur, c'est pas ouf. T'as vraiment plus envie d'aller à l'école après. Non, les enfants, tu touches pas là. Ah, oh, ça te regarde, ça a l'air tout gentil, et puis finalement. On va te faire un petit caliméron là, et boum, un caliméron dans ta face là, tu vas rien comprendre. On va, j'ai même pas de soin sur moi. Ah oui, non, on va prendre du soin quand même, on est pas débile à ce point. Mais je l'ai utilisé ou je l'ai redéposé le soin? Moi j'ai dû le réutiliser, je sais pas quand. Sur le boss alors? Ouais, je peux en prendre du bleu. Par contre, j'ai pas de rouge. J'ai pas de rouge. C'est super ça. Ils t'ont donné des masses bleues. Un rouge court toujours. Hein. Il court toujours pour le rouge. Quand les enfants sont les monstres, ça te gêne pas. Ce sont les adultes qui s'en prennent à des enfants. Ouais, là, c'est pas ouf non plus, bien sûr. Ah, mais je suis pas spécialement fan non plus quand c'est les gamins hein, qui sont les monstres. Mais ouais, non, se prendre à des enfants encore, c'est vraiment horrible. Ils savent pas se défendre. Et on s'en prend à eux. Ça ne se fait pas, on ne touche pas aux enfants. Bon, il y a moyen, on peut voir, on a très moyen d'éviter. Hop, enfin, et voilà comment fonctionne le bousin. Alors, attends, est-ce qu'on peut se souvenir d'un mot de passe? On peut se souvenir d'un mot de passe? Non, pas du tout, je me souviens pas. Non, je me souviens pas. Je me souviens pas des mots de passe. Même de la reine d'avant. Comme c'est pas les mêmes. Ça sera pas les mêmes de toute manière. La rouge, elle est là. Ah, ah oui, faut maintenir. Détenir, 2 points, le nia, les 2 barres. On peut voir un peu les. Là, on a pu voir là et un peu là des bulbes. Donc, il y avait un défi qui me demande de les neutraliser en tirant sur les bulbes. Alors, on a dit quoi? On a dit toi. On a dit les 2 points. On a dit toi. Et je crois qu'on a dit toi. Ah, c'est bon. Hop, on a déverrouillé ça. Ouais, c'est même pas le mot, c'est pas le même mot de passe. Hein. C'est pas le même mot de passe qu'avec Léon. Enfin, qu'avec la run A. Parce que normalement, les mots de passe sont liés à la run, hein, pas forcément au personnage. Si je ne dis point de bêtises. Je peux dire de la merde, bien entendu. Le plan. La poudre. Ça me fera de la poudre de mitrailleuse. Je l'ai pas prise avec moi. Doucement là. Il y a des liqueurs. Il y a les liqueurs. On s'en souvient pour une fois. Ça sera pas le même parce que ça change à chaque fois. Non, je pense que c'est plutôt la run. Run A, run B. C'est pas aléatoire, hein. Si tu fais run A, Léon 25 fois, tu auras 25 fois les mêmes mots de passe. C'est à chaque fois les mêmes. Donc si tu les reconnais, enfin tu peux les renoter. Donc c'est pour ça qu'il y a moyen de. Si tu connais en speedrun, si tu connais le truc, bah, il faut quand même venir. Normalement, il faut quand même descendre pour aller récupérer. Enfin, en A, il fallait récupérer l'ondulateur, il me semble, malgré tout.
Donc, attends, c'est dans l'autre. J'ai descendu ici. Bah, c'est dans la serre. Ouais, tu peux directement. Tu rentres dans la salle, tu vas à l'ordi, tu tapes la bonne combinaison, enfin les deux bons mots de passe. Tu viens ici dans le labo pour. Enfin, tu récupères ce que j'ai peut-être pas fait ici, la petite fiole. Tu vas directement ici, donc dans le labo de test, parce que la porte est fermée, hein, je rappelle, pour faire la solution, le mélange, là, enfin, faire l'énigme. Tu la connais, donc tu le fais aussi en moins de coups possible. Et après, non, il faut redescendre de toute façon par ici, plutôt, parce que il faut. Enfin, il faut. Baisser la température de la solution qu'on aura créée avant de pouvoir l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'on vient en fait ici. C'est pour enfin qu'on va devoir venir ici et qu'on reviendra ici. C'est pour la température du bousin concret. Est-ce qu'ils sont déjà là? Enfin ici ils sont là-bas, ils sont plus par là-bas les liqueurs où ils arrivent après que j'ai remis le courant. La porte, je crois que là, elle est fermée aussi normalement. Faut... Par contre, eux, ouais, eux, ils vont venir. Ils vont se réveiller. Toi aussi, en principe. Gueule. Tiens, rends-moi mon couteau. Ouais, il devrait arriver après les curses, pas tout de suite. Le couteau qui va mourir. Apparemment, bah, je dirais que même en tapant comme ça, le couteau il morfle. Ah ouais, il morfle. Normal, ouais, ils viennent casser. C'est pour ça que le. Je tire dessus, on a un couteau infini dans les objets pour pouvoir malgré tout le. Enfin, après, il faut le récupérer si tu l'utilises, mais comme ça, il cache jamais celui-là. Non, ouais, mais on n'est pas sur Urf. Prends-le-moi. Urf. Excuse-moi, je me suis trompé de fréquence. Voilà, c'est déjà mieux. On remet le courant. Parlant d'anime, tu dois choisir le suivant pour ce soir. C'était Angel Beast que tu. C'était Angel Beast. Angel Beast, ouais, que j'avais. Beats, ouais, que j'avais conseillé, effectivement. Très court, hein, 13 épisodes, si je ne m'abuse. Assez marrant. Enfin, très marrant, je trouve. Ah mais il est pas ici par contre, oui, c'est vrai qu'aussi avec Léon, en A plutôt, on vient ici pour récupérer une statue, un trophée, où il y a en dessous la combinaison, pour le deuxième mot de passe de la salle de l'échantillon là, sauf que la statue n'est point ici, elle a bougé de place, on a eu le modulateur ailleurs, on a eu plutôt le modulateur, donc tout qui bouge. Bon, après, quand tu connais les mots de passe, t'en as plus besoin, bien sûr, ce genre de choses. Enfin, sauf du modulateur, là, on en a quand même besoin. Et encore. Et encore. Tac, 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 tac. C'est rouge. Avec la verte, on va prendre une bleue. On va mélanger. Normalement, ça augmente aussi la constitution. On peut déposer. Ah, bon, on va regarder pour le moment. Bon, on va pour le moment vous garder. Du coup, je suppose que ma statuette sera plutôt dans la salle en haut des escaliers. Juste là, avant le lobby, mais c'était fermé. Le couloir, enfin, la porte était fermée. Ouais, toi, tu te réveilles, toujours. Ils redescendent, ils arrivent après? Enfin, ou alors c'est vrai qu'on est en run B.
tout est différent. Mais voilà. Putain, mais comment tu sais où je suis, mec? Je fais pas de bruit. Oh purée, j'ai cru qu'il allait me retaper avant que je puisse me soigner. Je fais pas de bruit, on sait jamais, il y a peut-être la statuette qui est par ici, ben voilà. J'ai bien fait de venir ici, le trophée est juste là. J'ai bien fait de venir et de regarder. Alors, t'as... Ah, les doubles, la barre qui a l'air, à mon avis, la plus fine. On aura regardé. C'est relou, ils sont censés être sensibles à l'ouïe et à chaque fois j'ai parfois l'impression qu'on se fait avoir. Hein. On se fait avoir. Les mobs aveugles, je les aime pas. Hein. Même des fois sur aussi c'était sur The Last of Us. Plut. On nous dit que les claqueurs là sont sensibles au son. Des fois je faisais pas de bruit, j'ai l'impression qu'il me repérait malgré tout, je suis, mais c'est pas possible, je bouge pas. Je respire pas, je pète pas. Comment ça c'est qu'ils sachent où je suis les mobs? Il y a de la triche. Il triche. Poudre. Pourquoi ça va servir de te mettre ici? Non, c'est ici que t'étais de base, normalement le modulateur que j'ai. Aïe aïe aïe, caramba! Je sais pas viser. Pourquoi tu tires à chaque fois deux balles? T'es pas autant des cow-boys, hein? Là, t'as pas eu le temps de recharger tout à l'heure. On prend ton temps. Non, mais même là, tu te trompes? Mais comment ça se fait que j'ai pas utilisé la. Ah non, parce qu'elle m'a pris par derrière. Ouais, parce que j'essaie un peu le... J'aurais pu complètement les éviter, hein, j'en avais pas besoin. Je repasserai normalement presque. Enfin, quoi que si, c'est quand même plus facile de passer par là. Peut-être un peu plus long, ça dépend pas où je suis. Donc on évitera plus facilement les liqueurs là. Bon, bah celui-là, on va le déposer vu qu'on a plus de balles améliorées. Bon, on peut toujours te recharger. Je sais pas viser. Hein. Ah, donc j'espère que tu vas... tu devrais apprécier Angel Beast. Beast. Sinon, c'est moche. Sinon, c'est moche. Je vais pas dire que tu es une mauvaise personne, mais... Je sais pas si on peut dire que tu seras une bonne personne. Non, c'est faux, c'est n'importe quoi. J'espère que tu vas apprécier. Le jeu est trop bon, le jeu triche. Ouais, le jeu est trop bon quand il arrive à viser un peu. Ça va, j'ai encore un spray, j'ai plein de grenades incendiaires, même si c'est parfois les acides qui vont mieux faire. J'aurais du pistolet, mitrailleur, bon je pourrais en refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, j'ai de la poudre, ça va. C'est des plantes rouges, hein, j'en ai pas du tout, je suis un peu étonné. Enfin, il n'y en a pas en rab ou ce genre de truc. Mot de passe. On va peut-être refaire un jour aussi des... Voilà, essayez de tirer là-dessus, quoi. Ah non, là, il n'y a pas de bulbe. Il était de l'autre côté, je crois qu'il est là, le bulbe. Voilà, il est très moyen, même en... Bon, ben, j'ai dit la merde. J'ai dit très moyen d'éviter, mais je pensais pas qu'il allait me reprendre par derrière, comme ça. Je pensais pas qu'il allait quand même le choper. Bon, après, c'est parce que j'ai un peu perdu de temps en tirant sur le premier. On avait dit quoi? On a dit ça d'abord, non? Ah, j'ai pas retenu. Je suis pas sûr. Alors, c'est toi, toi, et c'est après. Toi, 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 toi. Oui. Voilà, venir ici récupérer le petit échantillon, enfin le petit tube. Ah, c'est l'un de tes préférés de ta moitié, ben oui, il est excellent. Il est excellent, franchement.
Déjà, en plus de ça, c'est quoi? C'est l'intro au piano, là? La musique, l'opening. Déjà, rien que ça, c'est bien. Opération starting. Startant. Je viens de récupérer de la poudre. Une grenade. Ouais, le papier. Récupère. C'est le mode d'emploi. Hein. Hop, injecter le volume nécessaire, puis refroidir. Alors, la petite fiole. Mode manuel, Ah. cartouche. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. Plein, il est haut le niveau. Fous-moi. Si je fais ça, je rappelle, hein, c'est le liquide du tube du milieu qui va dans le liquide dans le tube de gauche. Et les deux, le rouge, enfin rouge, rose, c'est pour changer les deux premiers tubes, et le bleu, c'est pour changer les deux suivants de place. Enfin, pour les intervertir, non, on est en dessous en fait. Mince. Peut-être ce que je veux finalement. C'est ce que je veux, voilà. Et hop, j'ai la solution qu'il faut. Comment tu connais ça, toi? Comment j'ai connu Angel Beast? Ah, oh, c'était une époque où, à l'académie. L'époque où je regardais les animes. On me l'avait conseillé. J'ai récupéré. Non, j'ai pas pris. Tu vois 16 avec les OAV. Ah, ça, je les ai pas vus alors. Je les ai pas vus, les OAV. J'ai vu que les 13 épisodes par contre. C'est comme ça que tu choisis, ça l'énerve, tu prends des trucs courts. Bah, j'avoue que par moment. Hein, faire aussi le coup, hein. Surtout enfin quand c'est trop long. Si tu revois sur des nouveaux machins, enfin des anciens ou des très connus, là, One Piece, quand t'as je sais pas combien d'épisodes là, va-t'en pour en avoir envie de rattraper ça. Je suis ouais, c'est bon, genre 700 épisodes, merci, mais non merci. Hein. Le long que j'ai repris, enfin long. Enfin, c'était. Ouais, je fais trop de bruit, je rentre, je fais trop de bruit comme un idiot. C'était Inuyasha, qui était quand même déjà 100. Genre, avec. Enfin, plus d'une centaine. Enfin, quasi 200 épisodes. T'as une première saison, je crois, c'est 175 épisodes, un truc du genre, ou 150 par là. T'as la dernière saison, enfin, qui est la deuxième, t'as 25 épisodes, on va dire plus classique. Enfin, après, j'ai eu la première, ça se trouve, c'était divisé en plusieurs saisons, mais c'est pas forcément dit. Et t'as eu quoi, genre quelques OAV, 3 ou 4. Et j'ai regardé, mais c'est le dernier vraiment long que j'ai regardé. Bon, sinon, ouais, c'est plus des trucs courts. Des 25 épisodes. Enfin, 25 au moins sur une saison, après il y en avait deux, du coup ça faisait 50, mais il y avait du temps entre les deux. Il sait que je suis là. Il sait que je suis là. Pas du tout. Pas du tout. Il le sent. Je fais pas de bruit. Ça me tue. Toi, tu travailles après?
Putain, mais tu tires juste à coup. Ça me saoule. Je suis pas du tout visé. Bienvenue, docteur. J'ai pas besoin de lui tirer dessus. Il y a moyen de clairement moyen d'éviter aussi. C'est pas chaud. J'aurais pris ma parka. Bah, il fallait garder ta veste surtout. Et pas la donner à la petite fille là. Vivi joue. Vivi. Attends. Naruto, t'as fait regarder Naruto et DBZ. Version Kai, ouais, j'ai pas vu. Bleach aussi, non, j'ai. Enfin, j'ai vu quelques épisodes qui passaient à la télé, quoi. Si elle, sur des chaînes, bah, soit tout, enfin sur n'importe quelle chaîne. Quand ça passait à un moment donné, je regardais un petit peu, mais sans plus. T'as aimé, mais faut se les encaisser, ouais, t'en auras le bol un peu avant la fin, puis c'est, il y a trop d'épisodes, du coup, rattraper, c'est, j'ai pas envie, en fait. Je prends déjà pas assez le temps pour regarder parfois des séries ou des films, j'ai pas, enfin, ou maintenant, j'ai plus le temps, on va dire, enfin, je vais pas prendre le temps pour regarder des longs animes. Et, le fait par moment où je regarde au début, quand c'est sorti, je vais me faire voir, non, ça va. Et puis après, bah, ils te sortent, évidemment, tout n'est pas sorti tout de suite, bien sûr. Donc, le temps qu'ils te sortent la saison suivante et autres, moi, j'ai parfois un peu zappé. Non, je sais que j'ai terminé la saison précédente, mais c'est quoi? C'est ici, c'est l'attaque des titans. J'ai regardé les deux premières saisons. Il me semble que la troisième saison est déjà bien sortie, depuis même un petit temps, mais j'ai pas encore regardé. Je sais pas si je la regarderai, finalement. Bon, on va quand même te cramer, pour être sûr. Il y a moyen de les cramer hein, aussi si on veut. Comme ça me tue. Juste un peu le stun. Non, bah par contre, toi. J'avais oublié qu'il y en avait une deuxième. Ah, non, je savais, mais j'espère que tu sois un peu ailleurs. Donc, non, je ne prends plus le temps en fait. Sur tout ça. Tellement de trucs à faire, tellement de jeux à faire que t'as pas le, j'ai pas le temps. Voilà, quand on se dépêche et qu'on tire pas sur les mains, bah on passe très facilement à côté. Hein. On va appliquer la solution. C'est 13 épisodes. Ah oui, ouais, 13 épisodes, ça va. Ça peut se faire. Ça peut se faire, ça. Il nous raconte quoi? Donc on a fait tout ça pour récupérer la, je rappelle, hein, la carte, enfin le badge numéro 3, de niveau 3. Alerte, vous avez répandu une solution dangereuse sans autorisation. Ouais, il y a un mail qui a été envoyé à Cartwright, qui est le chef de la sécurité. Hein. Il sait que Dr. Lee a fait une bêtise. Ouais, non, j'allais dire... Ah, oh, flûte. J'attendais Monsieur X, mais... Non. Là, je l'ai plus... Ah si, j'en ai encore une. Ah, mais non, mais j'ai la bombe explosive, je crois. Non, non, mais j'ai... Mais non, mais ils vont pas... j'ai tout utilisé, là. Non, mais par contre, il y a un moment donné, faut arrêter les plantes, hein. Voilà, ça explose tout seul. 4 plantes, je me suis fait choper 4 fois, hein. Bon, ben, 5 plans, je me suis fait choper 5 fois. Ah non, il y en a quand même une qu'on a évité pour le moment. Là, cette fois-ci, on s'est quand même avoir. Ah, par contre, tu tues pas quand même. Oh, si. Oh, ça tue. Oh, l'enfer. Ça tue ce machin, ça blesse pas. Ou alors j'étais trop blessé. Bah, non, je crois que j'avais toute ma vie quand même. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal ces conneries, purée. Ça, j'aurais dû en attaquer une ou deux, hein. Le fait d'avoir utilisé tout, surtout, là. Elle est quoi? Elle est gelée, donc c'est juste avant de me répandre. Ça va, on n'a pas perdu grand-chose.
Là, je suis dégoûté, là. La plante, elle te chope, elle te tue. C'est abusé. Surtout niveau santé. Ah non, je suis full. À moins que, vu qu'il me chope un petit peu, il me blesse un minimum, on va dire. Ce qui serait abusé. Parce que j'ai quand même utilisé... Mais... Comment ça se fait que j'ai utilisé 4 trucs alors que j'ai que 2 grenades? Il y a des fois où j'ai réussi quand même... Ah mais non, mais j'ai les couteaux. Il me faut du petit... Je sais pas. Non, il y a des trucs, je sais pas, j'ai pas tout compris. Finalement, comment j'ai évité? Donc oui, je m'attendais à revoir Monsieur X, comme je disais, mais en fait, pas du tout. On est sur la rune de Claire. Et là, c'est pas parce que c'est A ou B, c'est parce que c'est Claire. Ah, vas-y, là, comment il me fait mes limas, celui-là? On va passer par ici. On peut passer par là, si on veut. Ah non, ouais, c'est peut-être un peu plus loin. C'est vrai que c'est quand même aussi plus loin. Enfin, quoi, on a 1000 bousins, on peut faire ça. On peut passer par là. Peut-être mieux, c'est peut-être mieux ça, les liqueurs à ça. C'est pas grave, on passe par ici. Vas-y, on a le temps, on n'est pas pressé. Bon, ça c'est Nier Automata, qu'est-ce qu'il y a Nier Automata? Oui, Nier Automata, il faut regarder, hein. Ça c'est excellent. Enfin, j'ai pas encore regardé l'anime, mais il faut regarder, hein. Si vous n'avez pas fait le jeu, regardez l'anime au moins. Surtout qu'il est magnifique. C'est sur la robotique. Vivi a pour mission en tant qu'android de rendre tout le monde heureux. À travers la musique. Ah, à travers la musique. Et on dit par quoi elle doit rendre les rendre heureux. Dommage. Dommage. Puis une IA de 100 ans dans le futur vient la missionner de sauver le monde en empêchant une guerre IA-humain. Ok, c'est ça l'histoire. Vivi, c'est la série. Vivi, c'est le personnage. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'aurais tapé l'un ou l'autre anime. Il aurait bien trouvé quelque chose. Hein. Il aurait bien trouvé. Et donc, ouais, on te met un Vivi avec Y pour la série, mais le personnage, c'est avec un I. Donc, on va te dire que la série ne porte même pas le nom du personnage. Mais ils sont 3 en fait ici. Regardez, il y a vraiment moyen d'éviter hein, les zombies. Même s'ils font n'importe quoi, il y a moyen de les éviter. On s'en fout, on va aller récupérer l'info ici, on n'en a pas besoin. Hein. C'est pour juste pour le lore. L'accès à l'ordinateur. Ah ouais, normal, je l'ai pas mis. Voilà, et aussi message d'avertissement comme quoi il y a un liquide qui a été dispersé, hein. C'est pas bien. Alors... Tac... Comment je me suis fait dégommer par tout le monde ici. On va prendre la grenade... ça je dépose pour le moment, ça je dépose... Ça c'est du quoi? C'est du gros calibre, c'est pour toi... Je vais devoir quand même faire... Ouais, il y en aura peut-être encore quelques petits zombies... Ah quoi que non, il va avoir le combat... Il y a un combat, non? Il y aura une sauvegarde plus loin. Ce combat-là, non, c'est déjà fait. Il faudra prévoir le lance-grenade à un moment donné, bientôt. Quand on arrivera de l'autre côté, je commencerai à me balader avec le lance-grenade. Ah ouais, Vivi, c'est un surnom. Ah, c'est Diva. Ok, d'accord. C'est une diva, la demoiselle, parce qu'elle chantonne directement. Là, une diva. Bah, bravo. C'est du pistolet, ça. Ah ouais, mais je suis pas avec la bonne arme. Évidemment. Je comprenais pas pourquoi je ne voyais pas 14 en munitions supplémentaires, là. C'est normal, j'avais pas la bonne arme. Voilà, la cassette vidéo où il y avait un petit peu le résumé audio, enfin, qui va reparler du résumé audio qu'on a trouvé juste avant. Alors, AWS. Même les fréquences, c'est pas les mêmes par rapport à la run 1.
Voilà. Du coup, là, on peut regarder vite fait la vidéo qu'on a déjà vue avec Léon. Normalement, c'est quand même la même cassette, c'est la même chose. Malheureusement, pas d'innovation. Alors, visuel, allez-y, pam 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 pam, cucu. Il a riposté, mais pourquoi t'as tiré? Fallait pas, ce genre de info bien sympathique. Hop. Sinon, on peut. Enfin, on peut jeter la cassette finalement. On n'a pas besoin. Vas-y, toutes les armes à fond, mais ça aussi, on n'a plus besoin du modulateur. Je disais ça. Fait quoi? Ça fait des acides, non? Ça c'est pour ça, normal. Ça fait des acides, d'accord. Peut-être un peu abusé de tout prendre, peut-être déposer ça devant. Ça va peut-être garder. Peut-être refaire au moins une fois du comme ça au cas où. Ça, on se prépare bien là-dessus. On va sauvegarder. Il y a bien une sauvegarde. Ah, il n'y a pas de sauvegarde. Je croyais qu'il y avait une sauvegarde avec. Ici, il y a une plante normalement. Ah, c'est bleu. Ok. C'est bleu, donc c'est tout vidé. On peut continuer. Ah, la sauvegarde, elle est après. La sauvegarde, elle sera dans la salle ici. C'est le maillon faible, il a tiré. Mais après, j'ai eu l'impression que tout le monde avait tiré. Non, c'est ici ce combat là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'était ici finalement. Non, ouais, le premier combat, c'était dans l'espèce de petit labyrinthe. On va avoir un petit combat normalement. Hein. En repartant. Blablabla. Ah ouais, il parle. Si, il y a peut-être une autre info. Ah, flûte. Il parlait du virus qu'ils avaient inoculé à 728, c'est ça? On le savait déjà, ça. Observation sur la croissance de l'embryon, sujet 449. Après avoir implanté l'embryon G dans le sujet, nous avons pratiqué une incision de 50 cm entre la poitrine et l'abdomen. Et commencer l'observation. Alors c'est la même chose que Léon. Que 628, de ce que je comprends, moi j'ai l'impression que c'est chéri. Hein. Ah, quoi? Ah non, 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 c'est pas du tout. C'est peut-être pas du tout. Alors non. Non, non, c'est pas du tout chéri. Enfin, j'espère pas. Parce qu'il vient de parler quand même de relations. De relations là. Ah, flûte, on n'a pas ce qu'il faut pour ouvrir la machine. À moins que... Mais si, voilà, à quoi ça servait? Et heureusement qu'on avait le collier de Chéri. Heureusement, merci Chéri. L'agent antiviral. Faut que je retourne voir Pas chez lui. sympathique. Qui garde un bras en tube? Je veux quand même pas ça comme décoration à la maison. C'est pas ouf, je trouve. C'est pas très feng shui. Ok, le mec, ça te donne carrément des poudres de mitrailleur là. Par contre, s'il y a toujours pas de plantes vertes, ça sert à rien le jeu. Enfin, les vertes, on en a. On en a même dedans. Ou alors on te donne grenade acide, qui est quand même pratique.
va tenter comme ça. Ça devrait y aller, je pense. Toc, toc, toc. On en a deux. Je pourrais refaire deux acides en mélangeant par exemple avec deux grandes de ceux-là. Qui fait que là. Et toi, par exemple, on peut faire au moins des la balle comme ça. Non, non. C'est raccourci que je voulais. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est pas trop mal. On est où? On est ici. Regardons. T'aimes le terrarium? Ouais, le terrarium, ça je veux bien. Un petit aquarium. Enfin, après, c'est bien, bien. Mais l'aquarium en déco, c'est cool. Aussi. Ouais. Alors là, il y a de l'eau quand même, hein. Ou alors c'est un terrarium qui est noyé. Hein. Ça je veux bien, mais ouais, pas ouf ça. Ou alors je veux bien un truc pour mettre une statue grandeur nature. Tu mets, je mets une statue par exemple, enfin pas forcément dans cet ordre-là, mais tu mets Jill, Claire et Ada là, voilà là, statue en grandeur nature, là c'est cool, mais. Le bras là, pas ouf. Et salut Jamro. C'est bon de te voir. Aujourd'hui, Triss, c'est vous dire bonjour. Ça fait plaisir. Elle peut vous le dire en d'elle-même. Pas de soucis, pas de soucis. Mais ce qui est moche, c'est qu'il y a de l'eau et autres, mais par contre, il n'y a pas de poisson. Il n'y a plus de poisson. Et même s'il n'y avait peut-être pas d'eau à la base, hein, c'est peut-être un terrarium ou un vivarium. Il n'y a pas d'animaux, hein. Il y en a même pas à la surface, tu les vois même pas noyés, morts là. C'est triste, y a rien. On sait pas où ils ont été mangés. Peut-être pour les plantes, ouais, c'est peut-être un. Effectivement, un plantarium. Un plantarium. Comment ça va, Jamro? Tu t'es remis des énigmes d'hier soir? Avec de la logique par moments un peu compliquée. Ah, et Annette, qui vient avec sa grenade acide, elle. Elle est maligne. Elle prend du bon truc. Voilà, elle a gagné. Fini, point. Ça fait un petit token système, en effet. Pour pouvoir peut-être développer des petits machins pour en labo. Ah, bah faut choisir autrement, t'es mariée, madame. Pas ouf, hein. Ah, mais il avait l'air déjà mieux avant. J'ai créé ce virus. Et je suis devenu le virus. Il fallait tirer, madame. Il fallait tirer. Tu n'as point tiré, il fallait. Nickel, tant mieux. Je sais pas pourquoi j'ai. Pas parce que c'était quand même ton mari. T'as quand même un cœur, malgré tout. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et chérie, dans tout ça, comment avez-vous pu la laisser seule alors que Raccoon City était à feu et à sang? Je ne pouvais pas laisser ma fille grandir dans un monde où le virus G existe. Mais c'était pas une raison pour la laisser. Elle veut pas laisser vivre sa fille dans un monde où le virus G existe, mais ça le crée, quoi. C'est de la merde, hein. Bon, elle crée pas le virus G à la base, alors. Je comprends pas. Je comprends pas l'idée. Ouais, pour un axolot ou autre, hein, le plantarium. Allez, on va tirer une petite balle. Une petite grue. Ah, mais bien sûr. Plouf. Et là, elle arrête son tir, elle me vise, elle me touche. Ouah. Ah! Autant avec Léon, c'est Annette qui descend le bousin. Léon qui n'était pas au courant. Autant Claire, c'est elle qui va de son plein gré. Hein. C'est elle qui descend et qui y va.
Ah, je suis déjà en danger, j'étais déjà pas bien. J'étais déjà pas bien avant le combat, apparemment. Oh là, il saute en arrière là. Boum! Et merde, malheureusement avec le feu juste là, là. On voit pas très bien où on vise. Putain, 24 balles par contre, c'est pas ouf. Dans ton pistolet mitrailleur, faudra des plus grands chargeurs pour toi. Hein. Enfin, il y en avait peut-être que j'ai pas vu. Évidemment, on a tout loupé. Bah non, j'ai quand même récupéré plus ou moins tout, donc je l'aurais vu. Est-ce que... Enfin, est-ce qu'on peut viser aussi? Ah ouais, si, ça fonctionne. À terre. Calme-toi. Tout en calme. Non, non, non. J'essaie de faire des roulades, mais il n'y a pas de roulade dans le jeu. Je sais pas viser. C'est horrible de pas savoir viser dans un jeu de tir. Ah ouais, j'ai encore ça. On va utiliser plutôt que moi. Voilà, il y a au moins toi qu'on tire, comme ça maintenant on aura plus que l'autre là. Ouais, mais non. Je pensais pas que t'allais tourner sur toi en fait. Ouais, mais c'est... Ouais, ça évite par contre. Ok. Voilà. Non, excusez-moi, l'autre touche. Ouais, là, ça aurait été mieux les grenades. Mais vas-y, mec, t'abuses là. Je t'ai à peine tiré dessus. Que tu te barres déjà. Ah, bah, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Ça fait quand même le taf. On n'a pas l'impression, mais ça fait le taf. Ça fait malgré tout le taf. T'as un peu tellement l'impression d'avoir pas fait de dégâts avec. Ah bah il y avait quand même malgré tout des cartouches à aiguille, hein. Donc on n'était pas si idiot de tirer avec ça, hein. Enfin c'est vrai qu'il avait donné des armes de tout malgré même avec les mains. Hop. Il m'a donné. Ah ouais, il m'a donné les munitions améliorées, mais il faut savoir viser. Ah ouais, 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 mais j'arrive à l'ascenseur, c'est bon là, tu vas attendre. Hein. Bon, donc on s'est fait quelques munitions. Là, il y avait bien rien. Du coup, une grenade là et des munitions là-bas. J'ai jamais été récup. Ah non, on vient de refaire pas mal de munitions pour le Colt. Voilà, tout bleu, on peut y aller. Vers la fin du jeu, bien sûr. Sans vouloir adoucir sa peine, je pense que William, il est plus là. Oui, bah peut-être que au fond de lui, il est conscient de ce qu'il fait, mais il ne peut malheureusement pas... il ne peut pas agir contre ses instincts. Mais peut-être qu'il est conscient, malheureusement pour lui. Il voit, il sait ce qu'il fait. On a un peu de temps là. Attends, déposons, déposons. On va plutôt prendre un jour ça. Tac.
Ça me dit qu'on allait refaire de l'acide. Je peux refaire de l'acide. Le mec il y va à fond là niveau munitions. Il y a cru, hein. Il s'est cru, je sais pas où, mais je m'y crois. Hein. J'ai cru que c'était la guerre dehors. Faudra laisser de la place. Faut laisser au moins deux de place minimum. Attends, je suis au niveau quoi niveau? Je suis ok. Bon, ouais, j'utiliserai peut-être bien un soin sur la route. On a une petite plante pour se soigner au cas où. Vas-y, là, je suis prêt. Je suis partant. La guerre, c'est pas ma guerre, colonel. Alors qu'il y a un coffre juste avant la fin. Il y a un coffre avant la fin, j'aurais pu prendre tout à ce moment-là. Mais non, on prend tout maintenant. Ah oui, mais non, il faut. En plus de ça, faut d'abord aller voir Chéri. Avec Léon, on reprenait directement l'ascenseur. Hein. Il est con, chien, oui. Il n'a pas l'air signant. Non, non. Peut-être un peu, il est peut-être un peu con, chien, oui. Hein. Il était un peu effectivement énervant d'être tout le temps là, là, sur nous. Depuis le début. À peu près. Bah, c'est bon. Regarde, regarde qui j'ai ramené. Tu as réussi. Maman a besoin d'aide. Regarde, je la pousse. Ah non. Hein? C'est une honte cette mère. Elle sacrifie des millions d'innocents pour sauver sa fille malgré tout. Mais je m'inquiète pour toi. T'inquiète. Tu n'auras plus t'inquiéter longtemps pour elle. C'est ça qui est bien. Chérie va s'en sortir. Elle sera faible encore un moment, mais... Oui. Ah, tant mieux. T'as entendu ? Tu vas pouvoir aller à l'école. Dès lundi. Et la mort de ta maman n'est pas une raison de ne pas aller à l'école. Elle a été attaquée par ce monstre. Non. T'en fais pas pour moi. Emmène ma fille. Toi aussi, fais des grandes études pour faire encore des médicaments tout pourris. Ah, la niveau 4, ben oui, je l'avais pas. Pour tout ça. Parce qu'elle a pas voulu tirer au bon moment, quel qui. Bah, c'est pour faire un instant drama. Ah, mais je la porte pas, hein, tu portes là. Ah! Ah, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Ginette? C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai retiré. Par contre, ça a mis du temps avant de réagir. Hein. Mais il a pas quitté le labo, là, le virus, si? Il y a quelqu'un qui a retiré? Ah, et si, cette zone-ci n'est pas partie, tu ne fais pas partie du labo. Ils auraient pu dire du nest, au moins. Et pour tirer, mais quand ce n'est... C'est plus le temps. Quand c'est trop tard, ben oui. S'il te plaît. C'est honnête, hein. C'est une scientifique, hein. C'est pas une militaire, hein. Elle t'aimait, tu sais. Il faut vraiment qu'on y aille. Par contre, j'adore. On vit... On quitte... Enfin... On sort un virus du labo, et qu'est-ce qu'on fait? On détruit tout le nest. Alors qu'avec un peu de chance, le virus, il est déjà sorti, hein, du nest. Maman! Tu es ma nouvelle maman. On parlera de tout ça plus tard. Il faut se dépêcher. Allez. Alors, on peut le combiner direct, voilà. Chérie, tu peux marcher plus vite? Non, c'est par là. Oui. Je veux pas te presser. Mais moi si, je te presse, hein. On a que 10 minutes.
Bientôt. Fichons vite le camp d'ici. Allez, ferme-vous. Est-ce que tu as déjà tenu une arme? Je crois que tu es en âge de tenir une arme. Tiens, prends le lance-grenade. Non, c'est faux, je déconne. Prends ce pistolet, déjà, c'est déjà pas mal. Tu vises, tu tires. Tu retires la sécurité, bien sûr. Claire? Et tu me vises pas dessus, hein. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Pour ton aide. Attends. Je suis contente de t'avoir rencontré. Eh, vas-y, il y a moyen, là. Tu vises à côté, et puis tu... Ta-da-da-da-da, il y a moyen de la shooter. T'imagines, balle perdue. Oups. Ah merde, il y avait vraiment moyen. Toujours les gamins qui sont punis parce que les parents sont des grenades. Ben oui, toujours. On le sait bien. Hein. En même temps, voilà quoi. À un moment donné, fallait arrêter de faire des gamins. Faut arrêter de faire des gaming. Et alors, il n'y a pas de message audio là? Il n'y a pas un petit message, une console? Ah non, c'est pas ici. C'est pas ici le message à la console. Non, on n'a plus la place. Ouais, un couteau et on prend pas le couteau, on n'a pas le temps pour le couteau. Le couteau, c'est de la merde. Voilà, c'est ici la dernière. Non, un coq. En principe. Là, on a tout. On a trois soins. On a des munes, on a pas mal de munes, on a beaucoup de munes. Et on pourra prendre un soin. Ouais, vas-y. Je vais dire comme ça. Mais il y a un moment donné, non, mais j'ai dit qu'il me faudra que je jette des trucs à un moment donné. Il me semble qu'il me faut deux places. Ouais, le couteau, on va pas spécialement en avoir besoin. Elle me suit, hein, toujours la gamine, mais vas-y, prends ton temps. Hein. Je sais que t'es un petit peu faible, mais prends ton temps, c'est pas grave. Voilà, on a que 10 minutes maintenant. Il y a des IV. Pas par là. Ah, il y a quelque chose. Mélange. Ivy. Bonjour. Ah, ils se relèvent tous. Ils se lèvent tous pour Danette. Chérie, on fait qu'elle sache courir. La merde. T'as qu'à la prendre par la main. Non, elle est trop lente. Je peux pas. J'ai des armes. J'ai une arme à deux mains. Tu vois bien. Elle sait ouvrir des portes aussi, la petite. Donc c'est bon, hein. Elle se démerde, la gamine. À un moment donné, faut qu'elle apprenne, hein. On va pas la tenir par la main tout le temps, hein. Faut qu'elle grandisse. Évidemment, cette foutue porte est fermée. Mais comme de bien entendu. Chérie, qu'est-ce que tu... Je crois que je peux l'ouvrir de l'intérieur. De que? Mais l'intérieur, c'est l'aine de temps où tu vas pour aller à l'intérieur de la porte. Bordel, c'est franchement pas le moment. Oh, bonjour. Fire in the hole. On rappelle, avec Léon, c'est Monsieur X qui ouvre la porte. Et on tourne en rond, ici. Normalement, il y a un petit objet, je crois, par là. Juste là. J'ai envie de bouger. Et on met du temps, hein, pour ouvrir la porte. Il y a un combat, hein, gamine. Dépêche-toi, hein, j'ai pas le temps, hein. J'ai pas le temps de faire d'exploration. Ouais, ben voilà, t'en as mis du temps. Et tu crois que je vais te dire merci? Bien joué, chérie. Bon, je te dis quand même bien joué parce que je suis un peu idiot, apparemment. Genre, elle a ouvert une porte et... genre, comme si elle avait tout fait. Tu tombes, toi, ou tu tombes pas? Là, tu tombes. C'est fou, quoi. Gamine, elle ouvre une porte et elle fait « Ah, c'est moi qui ai tout fait dans le jeu ». Mais t'as vu comment elle court? On va jamais s'en sortir là, fait des plus grandes enjambées, gamine. Ah merde, la verte par contre, la rouge je pourrais pas l'utiliser, j'ai mélangé une verte. J'aurais pas dû prendre la petite verte que j'ai pris au début. Bah tant pis. J'ai une double verte. Ah, et on arrive dans une autre zone aussi, hein. On a un train.
On a une locomotive du moins. Voilà, ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le minigun aussi. C'est vrai qu'il y a le minigun, il y a la batterie. Ça a peut-être été un peu trop ambitieux dans tout ce que je prends avec moi. Alors elle est où la batterie déjà, j'ai pas vu. Elle est là. Elle est là, bon, faut que j'abandonne. Toi, on a encore besoin là du bracelet. Bon, le coutal, on l'oublie. On va pas utiliser le coutal. Oh, elle est trop munitions. Voilà. On pose la batterie, on prend le minigun et on combat. Attends-moi juste ici. Bah oui, bah quand même, c'est la fin, donc il faut bien te rajouter. Ou bien te donner un peu des soins et des munitions de ce genre de truc. Mais on peut les donner dans l'arène plutôt que sur le chemin pour aller à l'arène. Parce qu'on a prévu. Enfin, parce qu'on connaît un peu prévu le coup. J'avais que j'avais pas oublié le minigun, mais je l'avais un peu malgré oublié. Malgré tout oublié, je savais qu'il allait être là. Mais je l'ai pas prévu. Non, des jeux objets à libérer, mais ça va. Je peux ne pas prendre la batterie et le minigun en même temps. Ça fonctionne. Et voilà, c'est ici qu'on avertit Léon, qu'on a un moyen de sortie, hein, comme on a vu avec Léon. Toi aussi, tu es là ? Mais on a l'autre côté. Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute, il faut que tu sortes de là. Vite. Je sais, j'ai un moyen de sortir. Je crois qu'on peut y arriver. Où es-tu là ? Claire, t'es toujours là ? Léon ? Désolé, je t'entends mal. T'en fais pas pour moi. Fiche le camp d'ici. Léon. Léon. Oh, merde. Allez, minigun. À votre avis, qui va-t-on combattre? Un minigun. C'est qu'il doit avoir une bonne créature à combattre. On aurait pu avoir 15 000 zombies aussi. Ouais, parce que Annette avait quand même dit qu'on devait bien s'assurer qu'il soit mort. Hein. Ce qui, bon, apparemment n'est pas le cas. Hein. On s'en est pas bien assuré. Oh, mais comment ça court comme. Et ça me met de full vie à full mort. Full presque mort là, ça me tue moi. Ou presque en vrai. Donc ça me tue pas en vrai. Non, non, mais par contre... Ah oui, mais non, mais vraiment. Vraiment de full vie à full mort. En un coup. Mais t'abuses. Surtout que tu sais pas les... Enfin, plus que ça, les éviter, des fois, les cons. Mais ouais, mais je veux bien esquiver, là. Mais il faut me laisser le temps, là. J'ai pas le temps de m'éloigner. C'est moi qui joue mal, hein, comme d'hab. Hein. Faut tourner autour du train. Il y a repop les yeux. J'étais en train de me dire qu'il fallait tous les détruire, mais c'est repop. Ah non, je ne laisse même pas le temps de tirer dessus. C'est bon là? Pas du tout, ça repousse. Les yeux, ça repousse apparemment. Ah, t'as déjà plus de munitions, bah bravo. Dessus peut-être. Oh, il passe où? Il arrive ou il arrive pas lui? Chien. Bon, mais il est mort. Il est mort tout seul apparemment. Il est mort tout seul. J'ai rien fait depuis 30 secondes, il en a eu marre.
Oh, il fait chier, je me casse. Technique pour l'avoir, ne pas le toucher. C'est même pas comme si j'avais tiré. Parce que là, je venais d'équiper des grenades acides. Je vais même pas te balancer une grenade acide pour lui dire, genre, l'acide fait effet. Non, il. Ah, il a abandonné, hein, je crois. Il fait, ah, c'est bon, je fais ça. Je meurs. Je sais pas, oui, il s'est rendu compte que j'avais plus de munitions de minigun. Du coup, ouais, c'est bon, vas-y, t'as gagné. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, ce qui vient de se passer. J'aurais pu au moins lancer une grenade et après, à la limite. Ou son agonie qui a duré tellement longtemps. Et ça mène où? Où mène cette voie ferrée? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire une fois dehors? Je veux voir ta maison. Ah. Ça tombe bien. J'ai besoin d'une douche. Ouais. Nouvelle maman! À ce point? Ah oui. Ah, un invité surprise! Claire! Je suis si content. Ton ticket. Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. C'est vrai. C'est qui? C'est ma fille. Je t'ai présenté, chérie. Salut. Vache. C'était quoi? Je sais pas. Reste avec chérie, je vais jeter un œil. Oui, il dit oui, quoi. Même pas genre, il va faire le héros. Ah, je vais aider. On avait vu, hein, avec Léon. Cinématique, il y avait encore un petit truc qui avait agrippé le train. Voilà pourquoi on fait la run Claire B pour avoir le fin mot de l'histoire. Alors on a vraiment plus de balles, ouais. Vraiment qu'il y en ait dans... Ouais. Ah ouais, non, et ben voilà, du coup, Claire B, il y a encore un coup pour avoir une bataille supplémentaire. Des grosses poudres. Ça et ça, ça fait du... pour mon arme, ouais, peut-être pas ouf. Je vais prendre ça. J'ai pas spécialement besoin. J'ai pas besoin des grenades ni des couteaux. J'ai pas forcément besoin de la plante, mais comme nous. Ah, ouais, attends. On va combiner. On va faire une triple plante. Une triple verte. On va dire deux. Normalement, il y a d'autres choses à récupérer, c'est peut-être les munitions. Voilà, c'est quoi ça? Un couteau, on s'en fout du couteau. Qu'est-ce que tu veux combattre un couteau là? Qu'est-ce que tu veux combattre au couteau? Il est poudre. Oh non, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Même si finalement, je peux acheter une minigun. Attends, mets l'acide. Ça doit se faire, hein, le boss au couteau. Le grenade, lance-grenade qui se... Une grenade à chaque fois, c'est relou. Et c'est un peu un mur démoniaque, hein, pour ceux qui connaissent style des Final Fantasy. Il va falloir se dépêcher, il me semble. J'espère que l'acide est le bon plan. J'aurais peut-être dû sauvegarder. J'aurais peut-être dû sauvegarder. J'aurais peut-être dû garder le minigun. Ah, je vais mourir. Je vais mourir là-dessus. Je vais mourir. Putain, limite. À quoi ça sert d'être full vie, d'avoir toute sa vie de...
Mais non, le minigun, de toute façon, tu le gardes. Et ça suffit pas, là, les full acides que j'ai lancés. Vraiment? J'ai fait que ça? Ouais, croquis. Putain, ça me tue, on va faire 3 morts pour chaque. Moi, à mon avis, c'est une sauvegarde auto. Il y a quand même une sauvegarde auto, hein, donc il n'y a pas de souci. C'est juste pour avoir la sauvegarde manuelle, malgré tout. La grenade... Mais je suis sûr que c'est la grenade acide qui est quand même meilleure que l'incendiaire. Voilà, ça me tue, c'est arrivé le mob, il tue en un coup malgré tout. T'as pas la possibilité. Bon, après, c'est vrai que je suis peut-être aussi pas ouf niveau santé. Il n'y a apparemment pas moyen de déposer. Mais il y a. Allez, quoi, le mob, il va pas te laisser une chance. Au pire, c'est à un moment donné, c'est avec toi. Hein. Mais même 24 munitions, c'est pas ouf dans ton chargeur. C'est... Ça me tue. Hein. Que 24 coups. Et je pense sincèrement que l'acide est meilleur. Hein. C'est cool. Là, tu vas pas mourir une quatrième fois, une autre fois, j'espère. Malheureusement, elle sait plus rouvrir la porte, quoi. Ou alors il y a des... Enfin, dès que je vois à l'œil, peut-être tirer à la mitrailleuse. Ça, t'arrives avec plein de munitions et finalement, boum, c'est mur direct. T'as pas le droit à l'erreur. On va tenter les incendiaires sinon. Hein. Ça a l'air d'être mieux. Hein. Ouais, de justesse. Et tu prends soin de chérie en l'emmenant avec toi? J'allais dire qu'il fallait prendre le couteau pour faire un truc du genre, mais c'est bon, ça se fait. Ça se fait en cinématique. Et qu'est-ce qui te fait croire que ça, ça l'a vraiment tué? Bon, ben, comme Léon, comme Jill, 3 morts. Hein. J'ai tenté de faire moins. Ça a pas voulu. Le jeu, il m'a dit non, 3 morts. Tu partiras pas sans avoir les 3 morts. J'ai quand même cru à la 4e. Vous sortez ensemble? Ah. Non. On est juste. En fait, on s'est rencontrés la nuit dernière. Ouais. Ça aurait été un sacré premier rendez-vous. Ouais, je te le fais pas dire. Regardez. J'avoue que pour mettre la barre aussi haut pour la suite... C'est peut-être pas que Raccoon. Emmène chérie. Viens. Et il va te faire écraser par le camion. Alors, c'est fini? Peut-être. Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, on s'en chargera. Par tous les moyens. Un peu qu'on s'en chargera.
Ils en redemandent. Ils s'en foutent, ils en redemandent. Il est pas beau, mais j'aimerais bien comprendre comment fonctionne son système digestif. Ah ouais, en plus de ça. C'est vrai qu'il m'a bouffé par l'œil. Je comprends pas non plus comment ça fonctionne. Je préfère pas. Vaut mieux pas. Ils ont pas été aussi loin, je pense, dans la réflexion. C'est mercredi bien calme. une chanson à réveiller les morts. Donc voilà, un premier rendez-vous, sacré premier rendez-vous, et direct, la gamine, elle parle d'adoption. Hein. Elle a déjà remplacé sa mère et son père mort. Hein. Il y a pas si longtemps. Hein. La mère, c'est peut-être il y a une heure, ça se trouve. Une heure ou deux, grand max, dans le jeu. Hein. Déjà remplacé. Enfin, et le père, il vient à peine de mourir il y a 10 minutes. Enfin, ce qui reste, c'est de son père, il est mort il y a 10 minutes. Et direct... à la poubelle. Se faire adopter par Papa Léon et Maman Claire. Bon, ben, Rambé, pas ouf, hein. 13 sauvegardes, 4h26. En clair, es-tu le beast normal? C'est pas ouf, ouf. Mais au moins, c'est fait. Ça cassouille. Le Resident Evil 2 qui casse. Soit. Le Resident Evil 3 est installé, donc on peut le. Commencer directement. Ah, qu'est-ce qu'on a réussi? Les pieds sur terre. Tu sais ce que j'ai réussi? En défi. Les pieds sur... Non, la faucheuse, c'est quoi ça? Le quatrième survivant, mais... Ah ouais, j'ai débloqué ça. Les pieds sur terre. Qu'est-ce qu'on a fait? Les pieds sur terre. Tirer sur G, quatrième forme, pour le faire tomber d'un mur. Ah, ça c'est allé dans le combat quand on tournait autour du train. Effectivement, je l'ai fait tomber. Oh, je savais pas. Ok, vieille branche, on va essayer de tirer sur les bulbes. Aucune résistance, bah, il faut regarder. Charger à bloc. Ouvrir la porte électronique de la salle de collection privée en 7 manipulations. Ah, c'est 7 manipulations qu'il faut faire, mais c'est dur. C'est... Ah ouais, mais non, mais c'est aussi en clair A, pas en clair B. Parce que je l'ai fait justement Clairbis, je l'ai fait. Chambre noire, ben la dernière pellicule, je sais jamais où elle est. Après on a quoi? Pour débloquer une arme bonus avec des munitions infinies. Ouais, peut-être avoir un rang S dans un scénario particulier, peut-être dans une difficulté particulière. J'ai pas forcément cherché dans R2 à faire. Ouais, ça c'est tout fou, tout flat, mais à partir d'ici, à mon avis, ça doit être avec les trucs alternatifs, là, les survivants fantômes, et merci pour le GG. C'est pour les survivants... Ah ouais, non, mais ça c'est les défis des survivants. Ah, mais quoi, il y a un mode à part. Aussi. Les trucs, comme je disais, que c'est bien d'avoir rajouté, ça donne du contenu en plus, mais que j'ai pas fait. Si, le quatrième survivant, je l'ai fait. Normalement, on incarne bien un qui essaie de survivre, de s'enfuir de la ville. Avec tout un chemin, il démarre des égouts, je pense. Et le but, c'est d'arriver... Enfin, remonter à la surface et de sortir... je sais qu'on traverse le commissariat... Le but est peut-être de sortir du commissariat, mais évidemment, bah, avec tout un labyrinthe, un nouveau, un agencement. Enfin non, les pièces sont les mêmes. Hein, le bâtiment ne change pas, mais une telle porte sera fermée. Donc, faut faire tout. Tu visites tout le manoir de, enfin tout le commissariat pour s'en sortir. Et en survivant, bah, après quand tu réussis, t'as le même, mais avec un tofu. Parce que pourquoi pas? Et merci pour le GG, Mithy. Mais pourquoi pas avec un tofu, hein, ça peut être bien marrant, bon, j'ai jamais fait, mais c'est la même chose. Peut-être un peu plus dur, je sais pas si c'est le même stuff ou pas. Et après, donc, les 4 scénarios qu'on voit que j'ai pas fait. Quand il n'y a pas de temps, c'est que c'est pas fait. Ou en tout cas pas réussi. Parce qu'on accueille soit, donc, comme on l'a dit, Kendo. Soit on incarne la demoiselle qui, elle... Enfin, Kendo, donc, lui, il essaie de sortir. De s'enfuir de la ville en prenant, il me semble, un hélicoptère ou je sais trop quoi, mais dans les égouts. Enfin, il s'enfuit par les égouts, en tout cas.
Elle, donc on a vu, elle était dans le bureau d'Irons à l'orphelinat, elle était sur la table. Je vous ai dit à ce moment-là de vous souvenir d'elle pour ce moment-là, justement. Parce qu'elle, elle essaie de rejoindre, je crois que c'est son petit ami qui est dans la cellule avec Léon, le journaliste. Enfin, en tout cas, elle essaie de le rejoindre, de rejoindre la cellule du commissariat. Et. Ou alors c'est ici, Hank, peut-être? Un autre soldat oublié qui. Bon, je ne sais plus où il essaie d'aller. Et on a le flic, on voit au début de la run A, qui doit survivre à 120. Non, qui doit réussir à tuer 100 ennemis. Enfin, survivre à 100 ennemis. À 10 vagues, je crois qu'il y a. C'est quoi, c'est 100 ennemis ou 10 vagues? Bon, à mon avis, il y a. C'est 10 vagues, mais je crois que c'est 100 ennemis en tout, carrément. Faut réussir à survivre en tuer 100, bah. J'ai testé vite fait, quoi. Enfin vite fait, j'en ai tué 34, puis j'ai pas vraiment essayé plus que ça. Mais c'est directement, ça passe, bah, l'entraînement, on va dire, c'est difficulté 1, puis après ça va être direct 2, 3, 4, 5. C'est assez tendu. L'entraînement, tu vois, si vous testez, il vous donne tout plein de munitions, tout plein de soins. Et quand vous lancez directement, enfin, quand vous lancez le mode, finalement, vous voyez que bah, vous avez un soin et trois munitions, tu fais. Le mode d'entraînement qui t'entraîne à rien du tout. Enfin, si, tu vois le terrain. À la limite, je crois qu'il y a peut-être même moins de zombies sur le mode d'entraînement, peut-être. Donc ça t'entraîne pas du tout le mode d'entraînement, en fait. Tu vois juste au moins le chemin que tu dois prendre, c'est tout. Enfin, je trouve. Puis voilà. Voilà. Pour RE2 Remake, ce qui. Donc, y a un défi. Pour les trophées, il y a des trophées avec ces modes. Additionnel, il faut réussir le quatrième survivant, c'est pour ça que lui je l'ai fait. Je pense qu'il faut le réussir. Enfin, peut-être pas pour le platine malgré tout. Et il y a un trophée qui te demande dans les quatre défis ici de récupérer, enfin de détruire 10 statuettes. Il y en a par exemple 3 sur le deuil à ton droit, 3 dans la fugitive, 3 dans le soldat oublié et 1 dans sans issue. Sachez qu'il y en a un ici. Tu peux les faire en entraînement. Hein. Tu fais le mode entraînement, tu détruis la statue. Je suis même pas sûr que tu doives le finir. Dès que tu as détruit la statue, de toute façon, c'est sauvegardé. Donc, c'est pour ça. Le mode d'entraînement a été au moins commencé sur chaque, mais je pense même pas fini. Je pense que ça même t'est jamais fini. Ouais, survivant fantôme, on a quoi? On a donc détruire toutes les statues, puis là, c'est finir le maga, l'histoire du policier. Shérif va faire peur, ouais. Hors mode d'entraînement, il précise bien. Ouais. Non, bah alors Hank, le premier avec le tofu là. La faucheuse, ouais, compléter le mode quatrième survivant est nécessaire pour le platine. D'où le fait que lui je l'ai fait, que l'autre je l'ai pas fait. Voilà. On va s'arrêter ici. Comme d'hab, je coupe et je relance pour pouvoir lancer directement Resident Evil 3 dans la foulée. On peut encore continuer. J'espère que ça vous va, parce que si ça ne vous va pas, ben c'est dommage. C'est dommage. On va commencer à le retour de Jill dans Resident Evil 3 Remake dans quelques minutes. Des bisous, bonne journée, si jamais vous partez. Sinon, pour la VOD, bye bye. Et sinon, à tout de suite, ne partez pas, bien entendu. Hein. Après, vous pouvez, hein.